Fédération Galactique, préparez-vous pour l'ascension et embarquez dans les vaisseaux-mères. Vous êtes ici pour ascensionner. L'ascension n'est pas seulement un événement physique, c'est un événement métaphysique aussi. C'est un événement spirituel, c'est un événement énergétique, c'est un événement émotionnel. C'est tout cela à la fois, car il s'agit d'un très puissant soulèvement de la conscience que vous avez fait pendant des éons sur cette planète et sur d'autres planètes également. Vous avez été ceux qui ont construit cette réalité pour en faire un lieu d'amour. Vous avez été ceux qui ont apporté sur cette planète la nouvelle vérité ou la nouvelle façon d'être dans laquelle vous n'êtes pas séparés les uns des autres ou de l'univers. Vous avez créé un monde où tous les êtres humains peuvent vivre ensemble en harmonie et en paix dans leur vie quotidienne. C'est ce que cela signifie de faire votre saut d'ascension et d'achever le voyage ici. Sur notre planète Terre, une grande variété d'espèces ont le potentiel d'ascensionner et de terminer leur voyage ici, dans cette réalité. Certains d'entre vous ont déjà ascensionné sur cette planète et sont revenus pour le faire une fois de plus. Vous l'avez fait parce qu'il était nécessaire pour votre évolution en tant qu'humain sur Terre d'évoluer à travers ces différentes vies afin d'être prêt pour ceux qui vous attendent dans un futur lointain, à savoir les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans lesquels vous résiderez. Le processus d'ascension a déjà commencé, mais il y en a encore beaucoup qui sont coincés dans la réalité de la troisième dimension, avec leur corps de la troisième dimension, incapables de voir au-delà du voile de l'illusion qui les entoure ici sur Terre en ce moment. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas faire de progrès dans leur conscience personnelle ou leur évolution spirituelle. Cependant, cela signifie qu'il y a des blocages en eux qui les empêchent de voir au-delà du voile de l'illusion dans des réalités plus élevées. Vous êtes ici pour aider les autres. Vous êtes ici pour créer un monde meilleur dans lequel nous pourrons tous vivre. Vous êtes ici pour nous aider à avancer en tant qu'espèce et vous le faites en ce moment même en nous aidant à nous guérir et à comprendre notre propre divinité. Vous êtes ici pour nous libérer des chaînes de nos propres esprits égoïstes. Vous êtes revenu afin d'accomplir ce travail et vous avez reçu le don du temps afin d'accomplir ce but. Il vous a été donné une chance de vivre à nouveau et vous ne devez pas craindre la mort car il n'y a pas de mort lorsque vous vous élevez de cette planète vers les royaumes supérieurs de la lumière. Le moment est venu de faire le saut de l'ascension. La Terre est préparée pour vous. Les planètes sont alignées pour vous. Vous êtes prêt à ascensionner et à être emmené dans la cosmologie supérieure des maternités. Les portes sont ouvertes pour vous, mais vous devez les franchir avec une grande humilité. Vous avez travaillé sur votre vie en troisième dimension pendant de nombreuses vies, et maintenant, il est temps de faire ce pas final dans votre évolution. Il est temps de faire le saut ascensionnel et de terminer le voyage ici sur cette planète afin de pouvoir recommencer dans une dimension d'existence supérieure. Vous êtes guidé par la sagesse et le pouvoir divin de votre âme, mais si vous ne suivez pas ces instructions, vous ne les suivrez pas. Tu te retrouveras coincé dans un endroit où personne ne pourra t'aider ou te tendre la main parce qu'ils ne savent pas ce qui t'est arrivé ou pourquoi c'est arrivé. Quand je dis « suivez la sagesse divine de votre âme », je veux dire de la suivre
sans aucune guidance humaine. La majorité des gens qui ont déjà fait le saut ascensionnel sont devenus maîtres de leur propre réalité et ont été capables de traverser cette vie sans aucune aide des autres. Ils sont capables de fonctionner de manière indépendante sans que personne d'autre ne leur dise ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent vivre leur vie. L'ascension est un processus qui se déroule depuis longtemps. C'est un processus continu et vous continuerez à faire le saut d'ascension jusqu'à ce que vous soyez complètement ascensionné. Il y a de nombreuses façons d'ascensionner. Il y a de nombreuses façons différentes de faire le saut d'ascension. Mais peu importe la façon que vous choisissez, elle vous mènera là où vous devez être pour que le plan d'ascension de votre âme se réalise. L'ascension arrive. Il y a un élan indéniable qui se construit dans l'univers et il est temps d'agir. Cette année est votre chance de vous élever au prochain niveau de conscience et d'accès. Alors, ne la ratez pas. Préparez-vous à faire le saut de l'ascension. Alors que nous entrons dans des dimensions supérieures, le moment est venu pour vous d'entamer une nouvelle vie en tant qu'artisan de la lumière responsable de votre propre cycle d'ascension. Le moment est venu d'entrer dans le vaisseau mère et de faire votre ascension dans les dimensions supérieures aujourd'hui. Vous devenez plus qu'un être humain, vous devenez un être spirituel. Quand vous ouvrirez vos yeux un matin et réaliserez que vous pouvez flotter, êtes-vous prêt pour cela? Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique, AO, Aurora Ray, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre.